Oui, monte les mains. Ok, tu lâches tes avant et maintenant tu la pilotes. Reste bien chargé sur ta voile. Ouais. Laisse-la faire. Voilà. Remonte les mains un petit peu. Attention. Baisse les mains là. Oh, tu perds le contact. Allez, on la monte. Allez, on la monte encore, encore. Monte tes mains. Voilà. Lâche tes avant. Charge, accélère. Et un peu de contact sur la droite. Tout de suite. Léger sur la droite. On n'enfonce pas la commande à droite, on relève d'abord légèrement la main gauche. Et oui, sans ça, tu as perdu ta vitesse. Non, non, tu as trop de frein là, tu as trop de frein. Allez, sur la gauche, lève la main droite. Et enfonce à gauche, allez, il faut qu'elle tourne. Non, c'est pas toi qui dois tourner, c'est la voile. Arrête là, elle va aller dans les broussailles. Allez, on la monte, monte tes mains, ne tire pas dessus, monte tes mains et avance, allez, allez, lâche tes avant, pilote pour aller à droite. Ouais, sur les côtés en pilote. Charge, accélère. Allez, 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 allez. Pas les mains devant, sur les côtés les mains. Sur les côtés les mains. Sur les côtés. Sur les côtés pour piloter. Et maintenant, tu vas à gauche. Allez, à gauche. Ok, tu suis la voile. Ne tourne pas avant la voile. Là, tu as tourné avant la voile. Voilà, essaye de sentir que tu es sous ta voile. Continue à charger. Continue à charger. Lève un peu les mains qu'elles viennent. Voilà, là, elle est au-dessus de toi. Continue à charger. Non, tu as les mains devant. C'est faux. Tu dois avoir les mains sur les côtés, sur les côtés. Freine tout, freine tout, freine tout, c'est pareil. On freine, c'est le long du corps, c'est pas les mains devant. Allez, on la monte tranquillement, on la monte et on se centre en même temps. On lâche, on pilote pour la ramener dans l'axe. Quand elle est dans l'axe, on charge et on accélère et contact. Ouais, allez, allez, allez. Du pas plus de contact, on laisse faire. Non, relève pas les mains, va à gauche légèrement, lève la main droite. Voilà, ça suffit et tu commences à tout freiner. Et ne freine plus, ne bouge plus les mains, on ne relève plus les mains. Ok. Demi-tour sous la voile. Demi-tour, allez, allez, allez. Ah ouais, te fais pas piéger. Et tu la freines maintenant. Et quand elle commence à descendre, tu avances vers elle. Avance vers elle. Doucement. Voilà, et comme ça, elle se pose propre. Allez, on la monte tranquille. Allez, encore. Voilà. Contact. Charge accès. Oh là, t'as failli perdre le contact. Allez, à droite. Tu vises ton arbre là-bas. Vas-y, vise-le. Il faut t'écarter sur la droite pour s'ouvrir la porte. Oui, voilà. Alors là, tu continues. Encore. Tu regardes déjà à gauche, mais maintenant, tu peux aller à gauche. Allez, je te laisse gérer maintenant. Ok, elle monte, lâche tes avant, charge, accélère, contact. Encore, sur la droite, léger, en levant la main gauche seulement. Sur la droite encore. Voilà, tout droit, tout droit. Et maintenant à gauche. Allez, à gauche, lève la main droite et on gère la rotation avec la main droite, avec la main gauche. Très bien. Et maintenant, tu freines, freine à fond. Et ben voilà, là c'est super. Continue à freiner, demi-tour, demi-tour en reculant au début et quand la voile tombe, tu avances vers elle. Et tu vas sous elle. Eh ben voilà. Ça c'est. Monte les mains, continue, continue. Charge la ventrale, monte tes mains encore. Lâche tes avant. Charge, accélère en pilotant ta voile. Pilote là. Regarde où tu veux aller à droite. Donc voilà, tu la pilotes encore. Tes mains sur les côtés. Lève pas les coudes. Laisse les coudes le long du corps. Voilà. Maintenant tu vas à gauche. Laisse le coude le long du corps. Pouf, t'as perdu toi. Tu as perdu le contact de la voile parce que tu ne chargeais pas assez, tu n'accélérais pas assez. On la monte, on la monte, on la monte. Lâche tes avant, charge, accélère, contact. Léger contact, voilà, ok. Tu vas tout droit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et maintenant à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Lève la main droite, pense-la. Et oui, voilà, et tu finis, finis, voilà. Et maintenant tu freines tout et tu fais ton demi-tour. Tu fais ton demi-tour en reculant et quand la voile commence à tomber, tu avances vers elle. Ouais, c'est oui. Alors là, il fallait freiner plus de la main droite. Allez, vas-y, avance. Allez, on la monte encore, encore, encore. Va dessous, lâche tes avant. Pilote là pour aller à droite, mais charge et accélère. Accélère, des grands pas, des grands pas. Les deux mains, contact, un peu plus de contact. Baisse un peu les mains et continue à courir. Un peu plus de contact, un peu plus de contact. Un peu plus de contact, un peu plus de... Ah, et maintenant tu vas à gauche, lève la main droite, allez, et continue à appuyer à la main gauche,
Ouais, ben là, c'est parce que tu es embarqué par la voile, tu peux plus rien faire. Bon, alors, allez, on la monte. Encore, encore. Monte bien tes mains, lâche tes avant-hanches. Pilote là, attention, si tu pilotes les deux mains en bas, ça ira pas. Charge, accélère, contact, à droite. Lève la main gauche, c'est tout. Allez, continue à courir, recours. Remonte les mains pour charger, accélérer de nouveau. Redonne-lui de la vitesse avant de rappuyer. Ouais, ok, tu tournes. Oui, pense à faire tourner la voile d'abord. Ok, là tu fais demi-tour dessous. Allez, demi-tour. Tu continues à reculer, elle tombe, tu vas vers elle. Ok, c'est bien. Ok, on la monte. Un petit coup de stop et tu remontes les mains et tu réaccélères. Ah ouais, t'en as oublié un petit peu. Allez, sur la droite. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouvre-toi la porte à gauche parce que sans ça, tu vas être embêté tout droit. Voilà. Maintenant à gauche et je te laisse gérer. Allez, tourne un peu plus vite quand même. Voilà, pour se poser un peu avant. Ouais. Vitesse. Et freinage complet. Voilà, ça d'accord, les phases de finale sont bonnes. Ok, on la monte, lâche tes avant, charge, accélère et contact maintenant. Et tu vas tout de suite légèrement, lève la main gauche pour que ça, voilà. Ok, et maintenant tu commences à aller à gauche. Vas-y, lève bien la main droite d'abord. Voilà, tu regardes loin devant toi, laisse planer, freine tout. Ok. Oui, continue à la freiner, c'est très bien qu'elle ne... Voilà, d'abord tu la poses délicatement, c'est pas grave. On monte les mains, encore, très bien, continue. Allez, charge, accélère, lâche tes avant, contact. Baisse un tout petit peu les mains, regarde loin devant toi, baisse encore un peu les mains. Voilà, pas plus. Bouge plus les mains, bouge plus. Bouge plus. Et maintenant, freine tout, freine tout, freine tout, freine tout, freine tout. Descends les mains à fond, freine tout. Oh, réveille-toi. Gaël, c'est mieux quand je te dis. Allez, on la monte, on la monte, on la monte encore. Lâche tes avant. Contact. D'abord, charge, accélère et tu reprends le contact. Ok, et tu vas légèrement à droite. Lève la main gauche. Voilà. Pas plus de virage. Tout droit, tout droit, tout droit. Ok. Tu relèves la main droite maintenant. Non, tu vas te poser vent de cul. Voilà, et tu baisses. Doucement, doucement, pas de roulis. Non, non, donne pas de coups. Et freine tout maintenant. Demi-tour, on se pose. Voilà. Alors, dans le virage gauche, j'ai vu la main intérieure baisser, remonter. Non, non, c'est une action progressive. Ok, on la monte. Ok, un petit coup de tampon, tu relèves les mains, charge, accélère. Ah ouais, ça, ça me va bien. À droite, tout de suite. Voilà, tout droit, c'est bon. Allez, je te laisse gérer le demi-tour. Et tu te poses avant le chemin si possible. Ouais. Et là, on freine tout. Ouais. Ok. Bon. Là, c'est une phase de déco qui est... On la monte encore. Encore. Va dessous, voilà. Ramène-la dans l'axe d'abord. Charge, accélère. Ah, tu as trop de freins sur ta gauche. Et oui. Bon, ça vole, mais ça vole quand tu es en bas. C'est dommage. Allez, pilote-la pour aller à gauche maintenant. Yes. Oui, 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 oui. Encore, encore, encore. Voilà, maintenant tu la freines, demi-tour dessous, attention, voilà, très bien ça, et avance vers elle, ouais, c'est pas mal du tout ça, là il y a eu un bon contrôle de ta voile, en arrivant. Contact, charge, accélère, les trois en même temps, et à droite, en levant la main gauche, tout droit, et à gauche, en levant la main droite d'abord, et maintenant tu gères la rotation, continue à la gérer, oui, très bien, continue à la gérer, ouais, continue à gérer la rotation, voilà, continue, pour être face à la brise, et seulement quand tu seras face à la brise, tu la freines, tu fais ton demi-tour et tu continues en reculant, voilà, demi-tour en même temps, demi-tour tout de suite, voilà, et maintenant tu la freines en allant sur ta gauche, voilà, et tu freines de la main
Super ça, là tu l'as bien récupéré. On continue à la montée, on la monte en allant dessous à gauche. On continue à la montée. Voilà, maintenant tu lâches les avant, tu la pilotes pour la ramener à droite. Et maintenant tu charges, accélère, contact. Grand pas. Tu laisses aller, ne bouge pas les mains, freine tout quand ça se rapproche du sol. Fais gaffe, tu es en vente arrière. Donc tu la fais tourner. Allez, lève la main et enfonce l'autre pour qu'elle tourne. Voilà, et tu la suis. Parfait, maintenant tu es face au vent. Là, tu peux faire demi-tour dessous en reculant, en freinant tout. Et maintenant qu'elle tombe, tu avances vers elle. Voilà. D'accord. Bon, eh ben c'est parfait. Je pense qu'on...